Eh bien, je suis avec Lorenzo, connecteur de coopération et d'intelligence collective, qui à chaque fois nous présente une initiative ou un projet. Et aujourd'hui, on va parler de la nuée. Alors, Lorenzo, c'est quoi la nuée? Eh bien, la nuée est partie d'une initiative d'un certain monsieur qui s'appelle Jean-Michel Cornu, Ah bon? que je connais depuis un certain temps. Oh là! Et on s'est rendu compte peut-être qu'il y avait l'intérêt à travers son réseau et puis également les autres réseaux, dont effectivement le groupe facilitateur-facilitatrice, de pouvoir voir comment tous ces différents acteurs pouvaient, quelle est l'articulation qui pouvait se mettre en place. D'accord, pour arriver à mettre en réseau des projets, permettre à des personnes de développer de nouveaux projets de façon ouverte. D'ailleurs, il y a même des projets. Alors, est-ce que tu as des petites idées déjà de ce qui a été produit, de ce qui a été fait, des projets qui existent dans la nuée? On a évoqué lors d'une première réunion, effectivement, Ecolise, Oui, effectivement. Donc, pour prendre cet exemple-là. Il y a également aussi tout un groupe autour de l'approche de l'économie intégrale. voilà, donc Tu il y a deux. évoquais à un moment CARE, mais ça va au-delà de ça. Oui. Donc, voilà, en tenant compte de critères écologiques. On en a aussi d'ailleurs sur les modèles économiques, on en a même sur la bienveillance, enfin plein de domaines sur de l'intelligence collective, effectivement. Alors pour contribuer, est-ce que d'abord c'est ouvert, est-ce que tout le monde peut participer et comment on fait? Tout le monde est le bienvenu, bien entendu. Et là également, il y a la possibilité d'y accéder par le biais d'un site Bah, qui que vous s'affiche allez. actuellement en dessous de nous, évidemment. Et d'ailleurs, on peut s'abonner et se désabonner à la liste mail de manière à avoir les invitations des différents projets. Donc, merci Lorenzo pour cette nouvelle initiative et rendez-vous la prochaine fois pour une initiative ou un projet à chaque fois à découvrir. Très, très volontiers. Merci Jean-Michel.